Salut à tous, ça c'est pour la miniature. Je la fais en entrée de jeu de vidéo comme ça, je suis tranquille. Bienvenue dans cette vidéo vite fait. On va faire un peu de piste 1/10 en face de chez moi. C'est une conversion d'un Mugen thermique. Alors oui, ne pleurez pas les thermiciens. L'authenticité, j'en ai rien à branler. Ah. Non mais en plus, ça servait à rien la descente thermique. Ça rame. Pouah. Même le plus petit des moteurs là que j'ai mis, trace plus. Merci, au revoir. Non, c'est bon, j'arrête de piquer. Regardez-moi ça, c'est la SPA ici. Ils vont croire que je les sors. Voilà, et là c'est vraiment les premiers tours de roue. Je l'ai juste testé vite fait ici, pour voir si tout allait bien. Et du coup, dimanche, je pars en salle rouler. Et c'est elle qui va rouler, donc voilà. Je voulais voir si tout va bien. Je l'ai un peu surélevé. J'adore les châssis précis comme ça, c'est magnifique. Donc c'est un châssis alu, un peu lourd. Châssis alu un peu lourd. Tu sens, tu la balances comme ça, t'as vu? Elle se balance toute seule. La batterie, j'ai dû la mettre très haute sur le châssis, je pouvais pas faire autrement. Du coup, bah, ça lui fait un comportement un peu particulier, je trouve. J'ai quand même pu mettre les barres anti-roulis. Du coup, c'est bien, elle est bien plaquée au sol. Bon, elle trace assez, elle est en 3S là. Ouf, doucement quand même les trous. Franchement, elle trace largement assez. Moteur, c'est un 3500 kW, propre. Elle est pas bruyante. Après, en salle, elle risque de glisser fortement parce que c'est des pneus mousse là. Et la salle, c'est une sorte de lino. Un truc qui est pas mal avec le poids, je trouve, c'est qu'on se rapproche d'un comportement d'une vraie voiture. C'est-à-dire que quand elle part, on a l'effet de masse là, transfert de masse qui se fait vraiment fort. Du coup, tu es obligé d'aller vite contre-braquer. Maman, la Golf. Sa Golf. Donc c'est un support moteur AliExpress hein, que j'avais mis dessus spécialement pour les conversions, donc c'est une sorte d'équerre avec des perçages pour un moteur en 36 dessus. Et dessus, c'est un 3660 3500 kW de chez Ridi, pardon. Le Vario aussi. Il n'y a pas de ventilo sur le Vario parce que bon, il fait frais. Je pense pas que ça va tirer dedans. Et la batterie, c'est les. Là, j'ai mis. Corali, ça c'était chaud. J'ai mis une Corali 5000 3S, un classique 50C. C'est ce qui est bien sur ces batteries, c'est qu'elles sont petites. Il est marrant lui, non? Il a voulu m'écraser. Ça va être chaud parce qu'elle a vraiment du ballon quoi. Faudrait limite un TSM. Voilà, bonjour, ça va? Pour la vitesse de pointe, je dois être dans des
Un bon 65, je pense, largement même. 65, même 70, hein, sans être. Oh! C'est très sale ça. J'ai pas le GPS, j'ai toujours pas investi dedans en 4 ans, 5 ans de chaîne. Bravo! Tellement la flemme de le faire. Parce que je l'ai assez rehaussé pour faire le con. Ouais, c'est pas. Faut que je la rehausse un tout petit peu plus. Châssis ultra sain. Ultra sain. Propre. J'avais pas Mugen. J'avais pas conduit Mugen jusque là en châssis DTM. Eh mais il est fou celui-là. Ah bah bienvenue. Eh bah ouais mec, mais t'as rien à faire là. Allez, puis sors de là. Sors de là. Il est malade celui-là. C'est bien ma fille. La maîtriser direct. On va essayer de faire du comportement un peu. J'ai un peu trop de. Ça va être exactement comme mon ancien châssis que Thomas m'avait passé là. C'était un. Je me rappelle plus la marque. C'est le même style, tu vois, le truc où la bagnole elle part dans tous les sens. Bien que là, elle part parce qu'elle a du poids. Fou l'axel de trop. Propre, hein, pas trop de bruit, juste au freinage. Ça va glisser. Hein. Ça va glisser quelque chose de vénère. Ou alors il y a un pare-choc. Il y a un pare-choc logiquement. C'est rare que je mette une voiture sur le toit. Bon, c'est bon. Vous voyez, châssis alu. Et juste le vario sur le. Il est chaud le vario, même pas. Donc il est bien config. Les livres sont un petit peu durs sur cette voiture du coup. Ça a pas aidé pour le comportement. Tu vois, elle est complètement motricée la voiture. Ouais. Après, faut rouler tranquille sinon.
tu vois. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Waouh. Ne pas faire partir la voiture, putain. Non, ça va. Ouais, c'est bon. Faut vraiment être précis, quoi. Tu contrebalances là, bam. Ah, c'est quoi comme voiture ça? Yes, Subaru, bien wesh. Sale. Sale la Subaru. Putain. Subaru Impreza. Et moi je suis là avec pas 306 maxi radio commandé. Quand tu veux, je te prends. C'est ça, 60, 65, 70. La fourchette que je lui donne. Oh. À peine tu tournes, mon gars, la voiture, elle est dangereuse. Elle marche, hein. Toi en drift. Oh. Ouais. Oh. La peau. Bon freinage. Ça aurait été vraiment marrant que j'aurais une voiture Subaru radio commandée. Bon, mais c'est bien, mon calage moteur il a l'air de tenir. Parce que je l'ai fait un peu à la vla comme je te pousse. Propre. La couronne elle a pas de marque d'usure anormale. Les courroies elles se comportent plutôt bien. Écoute, elles sont détendues mais elles fonctionnent bien. Donc rien à dire. Les pneus arrière sont tièdes. Les pneus avant un poil plus froid. Merde. Je suis sur le côté comme ça. On verra dimanche ce que ça donne. Je prendrai quelques outils au cas où. Parce que bon, après j'ai celle-là et la Tamiya à préparer aussi. Petite Tamiya piste, la M05 que j'ai là. Parce qu'elle elle est dénuée de cerveau et de combo. Je crois qu'elle a encore son moteur, mais c'est tout. Franchement là, je me rappelle la R5,
Qu'est-ce que je l'ai kiffé cette R5, elle était ouf. Je crois pas que j'aurais besoin de la relever la voiture, peut-être la même la baisser, tu vois. Et peut-être mettre un petit aileron en 3D là à l'arrière. Histoire qu'il y ait un poil plus d'appui à haute vitesse. Mais c'est tout. Je vais pas faire plus. Oh, ouh là là, j'ai failli la perdre. Là. Par contre, les pneus vont être un vrai handicap, hein. Ça c'est sûr. Sûr et certain. Bon voilà, on arrête là, ça sert à rien de rouler plus parce que je suis sûr qu'elle roule encore une heure. Donc voilà, c'était le petit essai de la Mugen avec sa carrosserie de 306. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on cherche une miniature. C'est stylé. Et puis de toute façon je la filme dimanche, hein, vous la reverrez la semaine prochaine en vidéo. Allez, bisous à tous et vive le modisme. Ciao.